Allez, c'est parti. Donc, j'ai attendu la traditionnelle minute pour éviter que ça foire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. Je pense qu'on va aller à Los Santos Custom pour l'acheter pour Franklin. S'il me semble qu'il n'est pas trop cher et ça sera utile pour plus tard. Tac, voilà. Donc on va y aller avec le véhicule perso de Franklin. Allons-y. Attends, c'est fort ça. C'est un peu le son parce que la radio. Allons-y. On va aller faire un petit achat de propriété. Puis peut-être qu'un peu plus tard dans ce live, on fera un petit peu d'histoire principale, je ne sais pas encore. Là, le but, c'est de s'approcher dans des conditions réelles après les essais d'hier qui n'ont pas été très concluants. Donc bon, vu qu'on est en plein jour, on peut profiter de l'upgrade graphique, donc avec une profondeur de champ accrue, etc. Je trouve aussi que la conduite est plus fluide, hein, forcément. Même si les FPS entre les deux versions sont a priori les mêmes, je pense que c'est quand même pas mal. Donc, les 30 FPS se justifient plutôt bien dans le sens où... Non, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Bon, ça aurait été. Bien sûr, il y a toujours des râleurs qui vont dire c'est pas en 60 FPS, blablabla. Franchement, c'est tout à fait confortable. Et si la version PC est en 60, bon, évidemment, ça va ajouter un petit peu au truc, mais à mon avis, ça va pas être non plus. Et j'ai été trop loin. C'est pas grave, on rattrape. Hop! De hors-piste avec le bagueur de Franklin. Alors, je vérifie sur la carte si on est. Ah bon, on est juste à côté. Parfait. Donc là, le but, c'est de l'acheter pour après s'amuser à faire des bagnoles. Donc, parce que je trouve ça toujours marrant de customiser certains trucs, c'est assez rigolo. Vous excuserez un petit peu, mais j'ai une voix un peu voilée ce soir, mais ça devrait pas poser tant de problèmes que ça. Je suis pas encore rendu au traitement bonbon à la menthe, donc ça devrait aller. Alors. Là, c'était pas pour vérifier si la moto était en vie, c'est juste. Wow! C'était juste. C'était juste parce que j'ai appuyé sur le bouton du stick. Donc ouais, le machin au def, il est juste à côté des customs. D'accord. J'essaierai de m'en souvenir. Peut-être d'ailleurs qu'on va le prendre d'ailleurs. Après. Où est-ce qu'on t'achète? Je sais plus où est-ce qu'on l'achète. Est-ce qu'on peut l'acheter? A priori, oui. Il y a un titre de propriété qui est juste là. Ouais, for sale, voilà. Pardon. C'est juste là. Et donc, il faut combien? 349 000. Bon, allez, go. Ça sera fait. De toute façon, il n'y a que lui qui peut l'acheter. Donc, ça va faire un petit trou dans le budget de Franklin, mais bon. Il va bien gagner sa vie après, donc c'est pas dramatique. Donc ça va rouler. On sauvegarde, toc. Et ben, pour fêter ça, on va aller piquer. Le machin, l'espèce de véhicule de la mort, là.
En essayant de pas se faire tuer cette fois-ci. Ça me demande pourquoi il... me tombe sur la gueule. Est-ce que les bikers sont de l'autre côté? Peut-être. Alors là, on est en plein désert. Hein. Mais désert total. C'est vraiment la cambrousse. On est à Blaine County, hein, si ma mémoire est bonne. Au niveau de la région. Allez. Cette fois-ci, on va essayer d'un peu mieux s'en sortir. On va couper la radio. Donc il y a toujours ce camion apparemment. Il commence à avoir pas mal de trucs sur la carrosserie quand même. Bon, on va voir ce que tu vois en piste, mon gars. Son of a bitch! En théorie, c'est un char d'assaut, donc on va voir. Allez, die, die. Pour l'instant, ça tient plutôt bien, hein. On va essayer de les semer quand même un petit peu pour voir. Savoir s'ils tiennent. Pas en très bon état, hein, mon dieu Codef. Mais au moins j'ai survécu. Bon. Eh ben on va aller le réparer, hein, parce que là il y en a bien besoin. Voilà, donc il s'est passé ce que je pensais, hein, c'est que à partir du moment où on achète custom, donc on doit, toutes les pièces sont gratuites. Simplement pour ce personnage-là, hein, c'est pas valable pour Michael et Trevor, mais donc Franklin, il peut prendre n'importe quelle bagnole, la tuner à mort, ça lui coûtera rien du tout, parce qu'il est gérant de ce Los Santos custom. De facto. Donc là, du coup, on va aller réparer ce char d'assaut, en espérant que les autres nous attendent pas plus loin. Alors, je vous laisse admirer le coucher de soleil. Il est quand même magnifique. Hein. Beaucoup de soin apporté au phénomène météorologique aussi.
Je connais assez bien le coin parce que j'ai passé beaucoup de temps à Los Santos Custom à essayer des trucs. Hein. Allez, on rentre. What miracle did you want me to perform? Donc là, il y a du boulot. Réparer le véhicule. Better than when she came in, that's for sure. D'accord. Donc le blindage pour l'instant n'est pas dispo. Tous les trucs de course ne le sont pas apparemment. Je pense que ça viendra plus tard. Admirer la bête, hein, c'est vraiment un char d'assaut. On va essayer de rouler, pardon, de rouler en FPS quand même. Même si ça me paraît un peu compliqué parce que la vue est quand même sacrément bouchée. Je pense que c'est le seul, un des rares véhicules où c'est super dur de piloter en FPS. Quoi que ça doit être une habituation, on va voir ça. Là en plus c'est une ligne droite donc c'est pas trop méchant. Don't go there. Ouais. Ok, donc si c'est ça, faut s'habituer, c'est juste ça. Alors j'avais pas envie de customiser pour l'instant parce que toutes les pièces courses ne sont pas débloquées donc bon, ce sera plus tard dans le jeu je suppose. Sur une moto pour une fois on va pas shooter le motard. Même si c'est tentant. Enfin bon c'est pas super pratique quand même. Hein. À partir du moment où c'est la vue est un peu bouchée, on se retrouve rapidement à freiner, si tu veux pas, faut que la bagnole enlève. Donc importé, du code, gros cylindre. Donc ça doit être une des rares bagnoles que je risque de piloter comme ça, parce que sinon tu vois que dalle. Je pensais qu'on pouvait s'habituer, mais non. Tiens, il se passe quoi ici? On va aller voir. Il y a un événement aléatoire. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis innocent, demandez à mon avocat, très bien. J'aurais peut-être pas dû continuer à pied. J'aurais dû. Ouais, mais il a l'air d'être à pied, le gars, c'est marrant. Ouais, j'aurais pas dû abandonner le véhicule tout de suite, parce que là du coup je me fais un peu distancer. Bon attends, on va prendre une bagnole, n'importe laquelle. On va essayer d'aller assez vite pour les rattraper, parce que là... Ouais, c'est ce que je craignais. Je les ai perdus. Bon, tant pis. Dommage. J'ai l'impression que je vais accumuler des bagnoles pourries. Alors là, le risque, c'est qu'ils appellent les flics parce qu'on leur pique leur bagnole. Hein. C'est un gros risque que je cours là. Et du coup, j'ai abandonné le Duke of Death. Pas dramatique en soi. Avec un peu de bol, je peux peut-être le retrouver, mais c'est quand même peu probable. Look out! Le mec il engueule, mais t'es à contresens, gars. Ah, il y a un autre truc que j'avais envie d'essayer.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser Franklin ici. Et je vais vous montrer ce que je voulais essayer. Voir un petit peu ce que ça donne. Ah. Donc, qui dit couleur orange dit Trevor, parce que je ne l'ai pas précisé, mais vert c'est Franklin, bleu c'est Michael et Trevor c'est orange. Ok, donc on se... ouais, donc on se doute que là Trevor, je sais pas ce qui s'est passé, mais vu le comportement déviant de ce monsieur la plupart du temps, je me demande ce qui s'est passé. Enfin, déviant. Bon, d'accord, tu veux pas passer par-dessus, tu me fais chier. Donc, je disais, vu le comportement psychotique de Trevor, je pense qu'il y a quelque chose entre Trevor et son acolyte. Bon, après, c'est pas déviant d'être homosexuel, hein, mais je pense pas que Wade soit tellement d'accord. Donc, ce que je voulais essayer avec Trevor, j'avais vu ça dans son téléphone. Voilà. Donc, chef demande si... Chef demande à devenir un braqueur pour les prochains braquages. Bon, après, ça sera à moi de décider. Voilà, c'est ça que je voulais essayer. Donc, dans les contacts, il y a marqué Dirigeable. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est une nouveauté de cette version PS4. Donc, on va essayer. Ouais. Atomic Blimp Services, how can I help you? I need a blimp. No expense spared. I'll send one out to you right away. Thank you for calling Atomic Blimp Services. Goodbye. D'accord, donc c'est de la même façon que t'appelles un taxi, très bien. Et alors on va attendre un petit peu, on va voir. Oula, il a un drôle de casque italien sur la gueule, c'est assez bizarre. Ou mexicain, plutôt. J'allais dire italien, mais je dirais plutôt mexicain, vu comme ça. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'on monte dans le dirigeable? Est-ce que... Je ne sais pas. Là, je suis complètement paumé, je suis incapable de vous le dire. On arrive sur la plage, je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Très bien. Il est où ce putain de dirigeable? On va regarder la carte parce que là je suis un peu perdu. A priori il est censé pas être trop loin. Lieu important. Bon. On va aller vers ce lieu important, peut-être que c'est là que je vais récupérer le dirigeable. C'est une possibilité aussi. Là je suis dans l'inconnu total, hein. Honnêtement c'est du live. C'est assez bizarre parce que... En fait j'aurais dû me renseigner avant. Franchement j'aurais dû me renseigner.
Donc, on va voir cette histoire. C'est complètement ahurissant. Troisième et demi, en espérant que c'est ça. Franchement. Ou alors, il faudrait que je me rende sur un aéroport pour récupérer le dirigeable. Mais... je sais pas, on va essayer. Encore un événement aléatoire, bon, peu importe. Tiens, salut Kate. Bon, un peu d'une autre couleur, mais... bref, on continue. L'échelle des kilomètres m'a toujours un peu surpris. Oups, désolé. Je trouve qu'on fait des kilomètres, des bonds d'un kilomètre en 3 secondes et des fois c'est un peu plus long. Heureusement qu'il y a le coupe-circuit, hein, sinon ça ferait longtemps qu'elle aurait explosé. C'est ça aussi l'avantage de la moto, c'est qu'on se refile. Hein. Tu crois que ça passera pas, mais ça passe quand même. Bon, des fois ça passe pas du tout. Hein, mais, quand tu te prends le côté d'une bagnole en pleine tronche, généralement ça finit mal. Tu vois, là on a fait rapidement les deux premiers kilomètres et demi, et je trouve qu'après. À partir du dernier kilomètre, je trouve que c'est d'une longueur à chaque fois. J'ai l'impression qu'il y a une impropreté d'échelle qui est assez surprenante des fois. Bon, après, c'est un monde ouvert, faut pas non plus trop en demander. Los Santos, c'est quand même super grand. C'est moins qu'on puisse dire. S'ennuyer dans Los Santos, si c'est possible au bout d'un sprint, il y a quand même pas mal de vie. Donc, ok, donc je suis arrivé à destination, le lieu important n'est plus le lieu important. Bon. Ah si, j'y suis toujours. Mais je vois rien. Donc j'y suis, mais il n'y a rien qui le signale. Donc on ne sait pas ce qu'il faut faire. Décidément, ce live... bourré de mauvaises surprises. Alors, ah bon, bah on va se rendre vers le dirigeable, hein, en espérant qu'il bouge plus, parce que là je suis à 4 km, donc c'est un peu loin. Ok, j'en ai ras le bol de me prendre des ravalements de tronche, et il a toujours son casque mexicain sur la gueule, hein, c'est magnifique. Désolé pour ce mauvais changement de vue, excusez-moi. Je me suis un peu énervé sur le pavé tactile sans vouloir. Allez, show must go on. On va foncer droit vers le dirigeable et on va essayer de piloter si tant est que ce soit possible. Je pense que oui, hein, sinon. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt, d'autant qu'a priori, sauf erreur de ma part, il n'y a que Trevor qui peut le piloter. Alors, c'est plutôt logique dans le sens où c'est lui qui est spécialiste des engins volants. Donc ce serait plutôt logique qu'il n'y ait que lui qui puisse le piloter. Du coup, je vous refais le chemin. Ça vous fait défiler Los Santos assez vite. Bon, maintenant, on va voir. Oups. Il a réussi à tenir sur la moto malgré le panneau à grande vitesse.
qui montre un peu la permissivité du moteur physique, et heureusement. Parce que si c'était 100% réaliste, je te garantis que tu resterais pas longtemps sur ton véhicule. Il exploserait en moins de 2, donc ça serait une horreur. On est à 1,5 km. Voilà, il va falloir se gourer. Pas changer de voie si ça va. Je vais souffrir les boîtes de vitesse, mais ça a aucune espèce d'importance. Donc là, on est arrivé à l'aéroport de Los Santos. Ouais, je pense que c'est ça. Oups, alors je me suis pris le rebord, je sais pas trop comment. Donc je suis à 400 mètres et il va s'agir de pas se planter. Je pense que je suis en train d'atteindre le terrain en espérant que j'ai le droit d'y être. Et voilà le fameux dirigeable. Et voilà. Et donc je vous présente, si j'y arrive, parce qu'il a l'air plutôt imposant, allez, cours un peu. Voilà. Donc le dirigeable, et donc on va monter dedans. Hein. Si ma mémoire est bonne, il y a une mission avec ça, ou tout du moins avec un truc du genre. Alors, est-ce qu'ils vont nous expliquer comment ça marche ? D'accord, ça marche juste comme ça. Et donc on va se faire une petite balade. Je pense qu'on va finir le live là-dessus. En dirigeable, vue cinéma, voilà. On va se balader sur Los Santos de nuit. Avec ce truc. C'est quand même assez sympa. Après, le défaut de la vue cinéma, c'est qu'elle est un petit peu... Voilà, elle change rapidement. Bon, on va faire un peu de vue FPS pour voir un petit peu sur ce qu'on a le droit. A priori, on peut emmener pas mal de monde. Alors, en vue FPS, ça n'a pas trop d'intérêt, hein, soyons clairs. Donc là, on profite de la nuit de Los Santos. C'est magnifique. Tout simplement génial. Alors, on va essayer de baisser un peu. Profiter un petit peu de la ville. J'ai l'impression que... Ouais, on n'est pas sorti de l'influence de l'aéroport, donc on va bouger un peu. Hein, donc je vous laisse profiter du paysage. Hop. En vue cinéma, si c'est pas magnifique. Après, c'est très centré sur ce machin, donc surtout pas. C'est tout simplement assez planant en fait dans ce monde de violence que GTA. Non, c'est sympa. La distance d'affichage est plutôt géniale. Donc, juste regarder un truc. 4h du mat. Dire qu'on va avoir le lever de soleil. On va se mettre par là. Profiter du lever de soleil un peu. C'est assez magnifique. Avec la petite musique qui va bien, bon après, chacun y juge. D'ailleurs,
je vais vérifier un tout petit truc. Ouais. D'accord. Ça va, il avait de quoi payer le dirigeable, ça va. J'ai envie de rester dans ce point-là. Bon, on voit pas grand-chose parce que je suis vraiment très haut. Je vais essayer de descendre un petit peu. Sans être sûr d'y arriver, parce que c'est un peu compliqué. Les engins volants dans GTA, c'est toujours un petit peu compliqué. On est plus dans la stratosphère, en fait, là. Donc, il y a les premiers rayons du soleil qui ont l'air d'être dans le coin. Donc, on va essayer de se tourner vers eux. Voilà. On y est. Essayer de pas trop bouger. Descendre un petit peu. Tourner encore. Voilà. Centrer la caméra. Magnifique. 5h15 du matin. Là, on se fait un petit plaisir. Carte postale, en gros. Et je pense que je vais finir le live de ce soir là-dessus. Sur ce lever de soleil magnifique sur Los Santos. Je me lasse pas de regarder ça. Bon, on va arrêter de bouger, on va essayer de profiter un peu. Ça va baisser un tout petit peu l'altitude. Bon, ce que j'aimerais, ce serait éventuellement, voilà. Tu bouges plus. Voilà, je vous laisse profiter. Quelques rayons du soleil qui arrivent. C'est un lever de soleil sur Los Santos. Là, je bête. Désolé pour cette intrusion. Le jour déchire un petit peu. Là, on est clairement un... Bon, c'est pas stratosphérique, mais... On est clairement au-dessus des nuages, hein. Donc on peut d'autant plus en profiter. D'ailleurs, on va essayer un truc. Toc. On a du FPS, il en prend plein sa gueule. Ok. Donc là, le soleil se lève sur Los Santos, il doit être 7 ou 8 heures du matin. 6h30, exactement. Donc on va arrêter le live ici, hein. J'avais envie de faire un live un peu plus long que les précédents, parce que bon, à coup de 5 minutes, c'était quand même pas très sympa. Et donc je vous dis à la prochaine pour un live encore plus long, avec, si tout va bien... de nouvelles aventures encore plus sympas. Donc Trevor, peut-être que je vais le jouer un peu plus pour profiter de ce truc là parce que c'est quand même plutôt cool et ouais, ça me fait rêver en fait, ce truc là ça me fait rêver. Et normalement, si tout va bien, si je quitte le dirigeable maintenant, il n'a pas de parachute. Je pensais qu'il en avait un. Et du coup, il va faire une chute vertigineuse. Qui va le mener évidemment vers la mort. Vers une mort certaine et rapide. Je ne sais pas du tout où je vais atterrir.
tout cas pas dans l'eau, ça c'est sûr. Donc le dirigeable, je viens de l'exploser. Ok, donc je pensais que qu'il y aurait simplement un parachute. Apparemment, c'est pas le cas dès le début du jeu, donc il faut attendre une certaine mission à mon avis pour avoir un parachute. Donc Trevor, il est mort un peu pour rien, donc on va arrêter la diffusion ici et je vous dis à très vite.